c'est le voleur des Erel. Celui qui pillait les gardes-manger l'année dernière. Oh, c'est bizarre, on dirait un cœur dessiné en bas. Bah quoi? Vous croyez quand même pas que c'est moi qui ai fait ça? Si, c'est toi. On s'en souvient très bien. Tu étais amoureux. Et alors? C'est merveilleux d'être amoureux. Même si parfois ça fait tournebouler le cœur. Ça fait beaucoup tournebouler, tu veux dire? Tout avait commencé au début de l'été. Onésime, je t'ai demandé 100 fois de réparer ce volet. Avec ce voleur qui rôde dans la région, c'est de l'inconscience. Mais oui, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Ça fait 2 semaines que ça traîne. Et pour le titre, j'ai eu une idée. Il s'appellera... La Gazette des Erel. Il est génial ce titre. Je suis sûre qu'on va faire un tabac avec ce journal. Ben oui. Mais on sait toujours pas de quoi on va parler. Mais si, de la cueillette dans la région. Ou bien... Ou du nouveau pont, c'est plus intéressant. Du pont. Hein? Et pourquoi pas des vendanges de septembre. C'est mieux le pont. Écoutez-moi. Il nous faut un sujet qui intéresse tous les villageois. Comme l'amour par exemple. L'amour? Ben oui, ça intéresse tout le monde, l'amour. En plus, il a fait des amoureux dans quelques jours, alors ça tombe à pic. Ouais, pas mal. Mais de quoi on va parler exactement? Ben, des amoureux des Erel, bien sûr. On va les interroger, savoir comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont dit qu'ils s'aimaient. C'est chouette, non? L'amour. Encore un truc de fille, oui. J'ai une idée d'article beaucoup plus intéressante. Ah oui? Et laquelle? Je vais enquêter sur les vols commis dans le voisinage. Il est temps que quelqu'un s'intéresse à cette affaire. Et laissez-moi une page pour mon article, les amoureux. Il va voir ce qu'il va voir. Ouais, notre article sera tellement génial qu'il se mettra à genoux pour travailler avec nous. Et c'est tout? Je suis désolé, Romarin, mais c'est vraiment tout ce que je peux t'apprendre. Mais vous avez bien dû entendre quelque chose tout de même. Rien. Pas un bruit, il a dévalisé mon garde-manger pendant que je dormais. Exactement comme chez le voisin. Je vais pas aller loin avec ça. Et cette maison là-bas, vous savez qui l'habite? Comment le saurais-je? Les nouveaux locataires ne mettent jamais le nez dehors. Va toujours y faire un tour, qui sait, ils ont peut-être entendu quelque chose. Merci quand même. Y a quelqu'un? Eh oh! Tu cherches quelque chose? Non, enfin oui, je suis Romarin, un passiflore. Je voulais, enfin... Je m'appelle Pomille, j'habite ici avec ma maman depuis 3 semaines aujourd'hui. Eh, je connais ce livre, c'est le dernier tome de Filmouche. Tu as lu le précédent? Évidemment, je les ai tous dévorés. C'est mon héros préféré. Il vole aux riches pour donner aux pauvres. Et en plus, c'est un cascadeur hors pair. Ah oui, je me souviens. Quand il avait escaladé le château du roi Lune pour voler la couronne. Oh là là, il avait semé tous les gardes en 2 temps 3 mouvements. Il y en a d'autres qui étaient prêts à l'escalade, mais qui sont apparemment moins doués que lui. Oh, c'est vrai. Excuse-moi, je voulais juste voir si la maison était vraiment habitée. En fait, je suis journaliste et j'écris un article sur les vols commis dans la prairie. Comme j'interroge tous les habitants, je suis venue... Tu mènes une enquête? Oh là là! Ça doit être tellement excitant! Je ne fais pas ça pour m'amuser. Ce que je veux, c'est découvrir la vérité. Je pourrais peut-être t'aider. Ça me ferait un peu sortir d'ici et surtout, ça me permettrait de rencontrer les habitants. Oh, tu sais, si je devais prendre un assistant, je choisirais quelqu'un qui connaît le métier et qui est très disponible. Mais je suis libre comme l'air! Ma maman travaille loin d'ici et elle est rarement à la maison. Je pourrais prendre des notes, faire les comptes rendus de tes recherches. A priori, j'évite de travailler avec les filles. Elles sont toujours plus molles que les garçons. Mais bon, puisque tu es disponible et motivée, alors... Génial! On n'a qu'à se retrouver ici demain matin. Oui, bon, d'accord. Vers 9h, je serai prête. Sois à l'heure, surtout. Je déteste les retardataires. Pas un seul témoignage, même pas une petite photo de rien du tout. Rien. On est trop nuls. Tu rigoles?
C'est pas nous qui sommes nuls, c'est les amoureux d'Ezerel qui sont pas sympas. Même pas un pour nous raconter son premier rendez-vous. Ça m'énerve. Ben, disons, peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Quand tu as demandé à la voisine pourquoi elle avait épousé un lapin aussi moche, ben, peut-être, peut-être que t'aurais pas dû. Ben quoi? C'est vrai? Tiens, tiens. Oh. Si elle est là, ça veut dire que Romarin n'est pas loin. Et crac, qu'est-ce que je disais? Ça fait 2 jours qu'ils ne se quittent plus tous les deux. Eh bien, vous savez quoi? Ils seraient amoureux que ça m'étonnerait pas. Il aime Pomille. Mais c'est sur eux qu'il faut faire un article. Mais si, c'est une idée géniale. Puisqu'ils sont amoureux, ils vont finir par se le dire. Mieux encore, ils vont sûrement se faire un bisou. Et nous, on les prendra en photo et on la mettra dans notre article. Romarin et Pomille s'embrassent sur la bouche. Ça, c'est un titre de pro. Oui, mais c'est pas bien d'espionner les autres. Oh là là, juste une fois, c'est rien. Et faites attention, règle numéro 1 du bon journaliste, restez très discret. Il relève les empreintes. Ne vous inquiétez pas. Il sait exactement ce qu'il fait. À quelle heure avez-vous entendu le voleur exactement? À 11h, j'en suis sûr. C'est l'heure à laquelle je vais me coucher. Mais quand je suis monté, il avait disparu. Un vrai fantôme, je vous dis. Un vrai fantôme. Tu peux noter, c'est important. Pomille, je crois que nous touchons au but. Nous savons dorénavant que notre voleur escalade les murs pour se faufiler par les fenêtres. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Que le voleur est un grand sportif, c'est évident. Ce genre d'acrobatie demande en effet beaucoup d'agilité et de souplesse. Tu es génial, Romarin. Comptez sur nous pour récupérer vos provisions, monsieur Rabanel. Plus que quelques victimes à interroger et le voleur sera rapidement démasqué. Oh, merci. Merci. Heureusement que vous avez pris cette affaire en main. En revanche, si j'étais vous, je me méfierais de Loi qui habite à côté. Ça fait des semaines qu'elle reste enfermée chez elle. À croire qu'elle cache quelque chose de pas très net. Quelque chose? Mais quoi exactement? Justement, j'aimerais bien le savoir. Non, elle ne répond pas. C'est bizarre, on regarde. Tous les volets sont pourtant ouverts. Nous reviendrons demain. Elle finira par nous ouvrir, c'est évident. Pour l'instant, je crois qu'une petite réunion s'impose. C'est pas bien. C'est vrai. Faut pas espionner les gens. Et dites pas que je vous ai pas prévenu. Poussez pas. Chut. Règle numéro 2 du bon journaliste, restez toujours silencieux. Ouais, c'est ça. Et règle numéro 3, évitez de vous bourrer de croissants ou navets avant de partir en mission. Ça y est, je les vois. C'est parfait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à identifier les empreintes pour savoir de quel animal il s'agit. On a déjà visité pas mal de monde. Voyons, réfléchissons. Au fait, ça te dit des carottes? Oui, merci. Tu sais, Romarin, c'est quand même étrange, ces toits qui s'enferment chez elle. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'elle cache. Pas si étrange que ça. Si j'étais voleur et que je cachais mon butin dans ma maison, je n'aimerais pas non plus que des gens rentrent chez moi. C'est évident. Tu veux dire qu'elle pourrait être le voleur des oreilles? Tu es vraiment un journaliste hors pair, Romarin. Je suis tellement contente de t'avoir rencontré. Et toi, je trouve que tu te débrouilles très bien. Finalement, j'avais tort.
Les filles peuvent aussi faire de très bonnes enquêtrices. Des journalistes comme vous ont besoin de quelque chose de plus consistant que des carottes et surtout de plus délicieux. Voyons voir ce que j'ai par là. Et voilà, servez-vous. Mais pourquoi les caches-tu? Pour que ce goinfre de dents de lion ne vienne pas me les chipper. Merci, ils sont délicieux. Allez, il est temps que je rentre. Déjà? Et l'analyse des empreintes? Si tu veux, on peut faire ça chez toi. Comme ça, tu me montreras ta collection de livres sur Finemouche. Oh non, je suis fatiguée, tu sais. Et puis, maman rentre tôt ce soir. Au revoir. Bah, à demain alors. Vers 9h. Elle est bizarre parfois, cette Pommy. En tous les cas, elle a une très belle écriture. Oh, j'espère que t'as pris des photos au moins. Descends. En fait, je voyais rien. Et puis, j'entendais rien non plus. En tous les cas, ben, c'est dangereux d'être journaliste. Dangereux ou pas, on l'aura ce baiser. On l'aura. Normalement, j'ai tout. Je vais pouvoir commencer l'identification. Un peu de poivre. Exactement ce qu'il me faut. Et maintenant, c'est parti. Surtout, ne nous déconcentrons pas. Plus que quelques minutes et la vérité sera enfin dévoilée. Dommage que Pommy ne soit pas là. Ça marche! Ça marche! Romara, tu es génial! Grâce à toi, ce sale voleur est enfin coincé. Tiens, ce sont celles d'un lapin. Mais ça alors? Elles sont petites. Aussi petites que celles de... Oh! Des amoureux pour les offrir à mon fiancé. Par où est-il parti? Je ne sais pas. Oh, il a sauté d'un bond et je n'ai rien pu faire. Pommy va savoir ça. Hey, Pommy, c'est moi, Romara. Pommy. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Dis donc, c'est à moi de te poser cette question. Bah, je pensais que tu dormais, alors je... Bien sûr que je dormais. Qu'est-ce que tu crois? Je t'ai entendu, alors je suis sortie par la porte de derrière. Je suis désolée, mais il fallait absolument que je t'apprenne la nouvelle. Loi s'est fait cambrioler. En plus, tu vas pas en revenir. Les empreintes, eh bien, ce sont celles d'un petit lapin. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu viens ici juste pour me dire ça? Mais tu sais pas que je dors la nuit, moi. Désolée, je n'ai pas réalisé. Tu sais, je crois que ton pyjama est à l'envers. Et puis tu es en sueur? Tu as fait un cauchemar? Oui, justement. Et je te voyais venir ici en pleine nuit pour me casser les oreilles avec ton enquête. C'était horrible.
excuse-moi. Ne m'en veux pas. Mais tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu viendras me chercher demain, hein? On a encore du pain sur la planche pour notre enquête. Moi, si tu veux, oui, oui, demain. Alors, à demain. Je le savais qu'il fallait le suivre. Je le savais. Il se lève la nuit pour aller embrasser sa chérie. C'est un coquin. Je l'ai senti venir se baiser, c'était trop sûr. Dès que je les ai vus se rapprocher, cric, crac, boum, je les ai pris au moins 10 fois. Oh, désolé, il n'y a pas de pellicule dans l'appareil. On est puni. Parce que c'est pas bien d'espionner les autres. C'était à prévoir. Si tu avais réparé ce satané volet, il ne serait pas entré ici comme dans un moulin. Saperlipopette, Tinia, pourquoi un voleur prendrait-il le risque de pénétrer ici pour dérober une simple boîte à biscuits? Cette boîte n'a pas pu disparaître par enchantement tout de même. Et à part Romarin et son ami Pommille, personne ne connaissait ma cachette. Donc, quelqu'un est entré ici, c'est évident. Seul Romarin et Pommille, seul... Oh non! Attention, courrier! Allez, Firmin, plus que 456 maisons et tu pourras retourner au dodo. Pommille, si tu es la voleuse des Ayrelles, alors tu viendras à mon rendez-vous. Tête, Firmin! Firmin! J'ai besoin de toi! Pourrais-tu porter cette lettre à Pommille, s'il te plaît? Elle habite dans la vieille maison qui borde la forêt. J'y cours, j'y vole! Avec Firmin, ton courrier est entre bonnes mains! Pommille, je ne pourrai pas te voir aujourd'hui car mon papa a besoin de moi. Nous allons porter toutes nos récoltes dans notre ancienne maison car il y fait plus frais et elles seront mieux préservées pour l'été. À demain, Romarin. Pourvu que je me sois trompée. Pourvu qu'elles ne viennent pas. Ah, il aurait quand même pu lui donner un rendez-vous ailleurs, et deux jours si possible. Ça fait peur d'être journaliste. Mais s'il se voit ici, c'est justement pour se faire de gros bisous. Chut, taisez-vous surtout. C'est le voleur des Ayrelles. Je le savais, on n'aurait pas dû venir ici. Romarin, il est en bas, vite. Attention, il ne doit surtout pas nous entendre. Pas de voleur à l'horizon. Je me suis totalement trompée, c'est évident. Comment je peux imaginer Pommille en voleuse? N'importe quoi. Qui tu es, voleuse? Ose au moins montrer ton vrai visage. Tu m'as menti, tu t'es moqué de moi depuis le début. On est là. Ah, je le tiens. Attends, prends ça, voleur. Laissez-moi. Je vais vous expliquer. Je peux tout vous dire. Comme elle est très malade et qu'elle se fait beaucoup de soucis pour moi, je lui ai fait croire que les villageois me donnaient à manger et qu'ils s'occupaient de moi. Si maman savait que je vole la nuit, elle ne s'en remettrait pas. Moi, j'en reviens pas. Escalader les murs, les toits, t'es trop forte. Oh, tu sais, je n'en suis pas fière. Ça fait longtemps que je vole, alors j'ai de l'entraînement. Maman va bientôt rencontrer un docteur réputé qui vit très loin d'ici. Alors, nous allons quitter les Ayrelles la semaine prochaine. Je t'ai déçue, Romarin. Et tu sais, je t'aime. Beaucoup.
Eh bien, c'est loin d'être réciproque. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, j'aurais dû faire le lien entre ta tactique de vol et celle de Finemouche. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de partir d'ici avant la semaine prochaine. Si je te vois encore dans les parages, je serai obligée de te dénoncer. Romarin, attends. T'es dur, là. Non, mais je rêve. C'est vous qui m'espionnez et vous allez me faire la morale, maintenant? Et pendant que vous écrivez vos idioties, qui s'occupe de vos corvées? Moi, bien sûr. Bon, les plus beaux jardins de la Garenne. Et votre sujet débile sur les amoureux, alors? Oh, on l'a laissé tomber. T'as reçu ça ce matin? Elle vient de Pomille. Mais on l'a pas ouvert, promis juré. Cher Romarin, si tu savais comme j'avais honte l'autre soir, je ne voulais pas te faire de mal et surtout pas te mentir. Jamais je ne recommencerai à voler, jamais. Tu sais, maman a vu le médecin et elle va déjà mieux. Alors je me dis que bientôt nous reviendrons dans ta prairie, en espérant que tu me parleras encore. Je pense souvent à toi, Pomille qui t'aime. Alors Frangin, c'est toujours aussi nul d'être amoureux? Qui a osé dire ça? Certainement pas moi. Si, c'est toi. T'as même dit que l'amour c'était un truc de fille. Il aime Pomille. Oh ben non. Oh mais c'est pas drôle.